C'est un trou du cul, madame. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, eh bien oui, deuxième épisode sur le jeu PewDiePie Legend of the Brofist. C'est étonnant, en fait, que je fasse une deuxième vidéo. Enfin, pour moi, c'est étonnant, je m'attendais pas à faire une deuxième vidéo sur ce jeu, mais... Voilà, en fait, à la fin de ma première, j'avais demandé votre avis, tout simplement, et vous avez été, oh, comment dire, 100% à vouloir un deuxième épisode. Certains ont dit, pas de let's play, mais quand même un deuxième épisode, parce qu'ils étaient tentés de savoir la suite. Ça m'a fait extrêmement plaisir de faire découvrir à pas mal d'entre vous qui était PewDiePie, même s'il est déjà bien connu. Je peux comprendre qu'il y en a parmi vous qui ne le connaissent pas ou qui ne regardent tout simplement pas ses vidéos. C'est normal, hein, il parle pas français. Je suis bien placé pour dire ça. Donc du coup voilà, on va continuer le jeu tout tranquillement quoi, parce que c'était très bien et parce qu'on va aller au pôle Nord, surtout par un métro abandonné, je suis très tenté de savoir ce qui va se passer. Donc oui, je suis prêt et allons-y, let's go. Ouh là là, c'est très le... Bro Street. Alors on m'a dit pas mal de choses que j'avais pas remarqué, genre il y avait des petits clins d'œil et tout, genre des fois on voyait des explosions, ça fait des formes de points et tout, ça je l'avais pas vu et je vais essayer de le voir. Alors, d'accord, on a un nouveau message. Marzia. Hé hey, PewDiePie, où sont les chiens? Ils sont au pôle Nord avec moi! Ah, il lui répond pas? Oui, d'accord, un T-Rex. Quoi? Ok. Mais je peux. Ouais, alors là, excusez-moi, j'ai pas compris. J'ai même totalement bugué en fait. Bon, déjà, pourquoi il y a un dinosaure? Hein? Et puis surtout, qu'est-ce que je dois faire en fait? Ah, peut-être utiliser mon Edgar qui fait des proutes sur le dinosaure. Je sais pas. En tout cas, il one shot, hein, il pardonne pas. Voilà, j'utilise ça. Ça n'a absolument servi à rien. Et si je passe comme ça là? D'accord, ok, j'ai compris. Putain, il a fallu du temps, mais j'ai compris. Ça va être dur. Ah, mais attendez, il y a un truc où je peux creuser là. Vous avez trouvé un Nemo Kibo. Un Nemo Kibo. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Mais il y a des pigeons, il y a des souris terroristes kamikazes. C'est n'importe quoi. Oh, il y a un Slenderman qui me one-shot lui aussi. Mais c'est quoi ce métro abandonné de taré? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc en bas? Ah, me vomit dessus le con. Boum, t'es mort, il y a un pigeon. Et genre après, il y a Slenderman. Eh, vous l'avez vu Slenderman juste derrière? Quoi, ça arrive des deux côtés. Il y a des trucs qui arrivent des deux côtés apparemment. Je ne pige plus rien, mais que voulez-vous que je fasse? Et il y a Markiplier derrière qui fait du piano. Que faire? Mais what? Ah, c'est n'importe quoi. Ah, mais on peut creuser là aussi. D'accord. Ah ouais, un cœur, c'est pas de refus. N'oublions pas qu'il y a un dinosaure tout à gauche, mais c'est super dur. Putain, mais en une vidéo, le niveau a augmenté comme jamais. D'accord, il y a Jean-Michel Gyoshi qui arrive pour faire sa photo, comme d'hab, c'est cool. Ah, j'étais sûr qu'il allait me faire mal, lui. Putain, il y a encore les Slenderman. Putain, c'est super dur. En fait, les points d'exclamation, c'est pour annoncer qu'il y a Slenderman qui arrive. Attends, il m'envoie des notes de musique, c'est quoi ce truc? Ça... Ah, mais des notes de musique, ça me fait mal en plus. Oh mon dieu. Eh, mais ils ont mis le paquet. Bon, là, il y a quoi? Bon, un cœur, ça, c'est pas de refus. Là, il y a quoi? Vous avez trouvé RAT-TNT. Je sais pas. D'accord, les notes de musique donc me font mal. Ah, mais en fait, c'est un monde où je dois rester le plus longtemps en vie possible. Ah, mais ok. Ok. Mais c'est fini, non? Il y a un bus qui arrive. Est-ce qu'il va s'ouvrir juste là où je suis? Il y a des Slenderman qui arrivent, je peux pas faire autrement. Ah, si, mais c'est là qu'il faut que j'aille. Oh mon dieu, mais. Pôle Nord, me voilà. Mais oh mon dieu, que. Eh, il me restait que un cœur en plus. Ah mais attendez, la caméra s'est éteinte, c'est rigolo. Vous avez un nouveau message. PewDiePie, je suis épuisé, tu dois venir me masser les pieds. Bon, je suis une princesse. Maintenant. Putain, il me fait peur lui à chaque fois qu'il se réveille, hein, on dirait un robot. Eh, vas-y que je t'envoie Yoshi, qui va te faire du bien, vas-y. Qui va te faire du bien, qui va te prendre une photo, oui, c'est ce que je veux dire. S'il vous plaît, n'ayez pas un esprit pervers. Voilà, ça par exemple, je pourrais pas le récupérer, c'est mort. Mais vas-y que je t'envoie des mammouths. Ah mon dieu, mais... Bon, c'était pas dur, ça va. J'ai raté énormément de choses, mais c'était pas dur. Ah ben voilà, c'est exactement ce que je voulais faire. Je m'imaginais un niveau qui va très vite, et c'est exactement ça que je voulais faire. Alors que tout à l'heure, ils ont dit, ça speed, quoi. Et je pensais trop que c'était l'autre qui allait speeder, bon. Comment j'ai fait mon coup, là? Comment j'ai fait pour louper ça? Allez, je veux que ça speed. Ah non, là, ça souffle dans le sens inverse, donc j'ai... Alors, eux, ils vont sauter plus loin. Oh, il me reste que un cœur.
sérieusement, je suis nul à ce point. Attendez, mais tant pis, on va utiliser le crabe qui me donne des cœurs. Il fait des petits bisous. Alors, Dr. Crab, on m'a expliqué que... Parce que oui, les gens m'ont expliqué toutes les références que je comprenais pas. C'était dans un de ces let's play sur Stranger Deep. Enfin, un jeu sur une île déserte que je n'ai jamais fait et que je connais pas vraiment, en fait. Et apparemment, il a dû avoir un délire avec un crabe et aussi un... Avec autre chose, mais je sais plus quoi. Mais la personne qui me l'avait expliqué me l'avait dit. Peut-être un autre animal. Ouah, attention, mais comment on va faire maintenant et tout? C'est trop dur, là là là. Oh putain, c'est tout petit. Ah, c'est tout petit. C'est du jump perfect. Comme on dit dans les speedruns. Ouais, là par contre, j'étais comme un con. Allez, PewDiePie, fonce. Fonce, mon petit, fonce. Ah non! C'est bon. Checkpoint, on a réussi, c'est cool. Acheter des persos, j'ai pas envie. Moi, j'ai envie de rester avec PewDiePie, il me plaît bien. Pas envie de jouer avec Marzia, ni Markiplier. Même s'ils ont des trucs en plus, peut-être plus de cœurs ou quoi. Ah, je peux lui augmenter les cœurs. Ah, mais c'est super bien tout ça. Non mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire, j'ai envie de jouer rien qu'avec PewDiePie. Ah non, ouais, alors oui, pardon. D'accord, c'est ça l'autre animal dans son let's play sur Stranger Deep, c'était un requin qu'il a dû appeler Shannon, mais bon, apparemment j'en sais rien pour ça. Voilà. Et donc apparemment c'est sa pote. Sauve-moi, les méchants Barry m'ont encore ficelé. Comment? Ils n'ont même pas de bras. Sauve-moi, pote! Ah merde! Oh, excuse-moi, j'allais me barrer. Putain, tu m'as sauvé, connard! Pourquoi es-tu si glissante? Ah, elle s'est envolée. Ah, apparemment, il va falloir que je la sauve plusieurs fois. Oh, il y a des loups. Genre, il va falloir que je la sauve encore 5 fois de plus. Help! Oh, on dirait un petit bébé, c'est trop mignon. Bon, toi, tu meurs déjà. Bon, les pingouins ne me feront pas mal, mais regardez! Elle est repartie vers où en fait? Vers la gauche ou vers la droite? Je suppose qu'il... Ah non, non, vers la gauche en fait, d'accord. Autant pour moi. Ah, il avait l'air d'avoir un espèce de gros Yeti. Waouh! Waouh! Mais qu'est-ce que c'est que ces boules? Mais sérieusement? Mais Bon, maintenant elle est repartie là-bas. Oh, mais elle fait des petits bruits, genre à moi, à moi. Très bien. Bon, elle est repartie encore vers la gauche. Je vais prendre les cœurs qui restent là. Ça me fait rire. Le requin, un triangle Illuminati alien qui m'envoie des lasers. C'est toi, Didi Chandoudoui? Mais lâche-moi la grappe, laisse-moi tranquille. Et y a un Yeti, mais non, qui... c'est n'importe quoi. Allez, on en finit, s'il vous plaît. Merci. Ah oui, alors lui je le connais, son nom j'arrive jamais à le prononcer. Cinnamon Toast Ken, on va l'appeler Ken. Que fais-tu dans un endroit si hostile? Je suis en mission afin de stopper ces maudits barils. Eh bien il va falloir se dépêcher, j'ai vu le baril bonhomme de neige venir vers nous. Venir vers nous. Le baril bonhomme de neige. Alors Stéphano qui parle. Sors-moi de ta poche, je n'arrive plus à respirer. C'est un sage. Ah, oh c'est vrai, je t'avais oublié. En fait, je suis content que tu sois là, Stéphano. Je suis coincé, j'ai besoin de tes conseils. J'ai une idée, attache-moi sur la corde et tu seras témoin de mon grand pouvoir. Ah, c'est génial. Hein? Mais qu'est-ce qu'il va faire, ce con-là? D'accord, il va l'utiliser comme un grappin, quoi. Quel grand pouvoir, mon dieu. Les animations sont super jolies, j'adore ça. Et on est reparti à l'aventure avec notre copain Ken. On l'a laissé tout seul? Les mecs? Oh non! On l'a laissé tout seul, le pauvre Stéphano. Allez, dernier niveau, je pense, parce qu'on en a fait assez aujourd'hui. On a tourné pendant 16 minutes. Ah d'accord, il y a Ken qui me suit maintenant, c'est un personnage de l'aventure. Ok. Ah, c'est un boss, apparemment. Mais qu'est-ce qu'un bonhomme de neige fait ici? C'est sans aucun doute un baril déguisé. Es-tu certain? Je crois que oui. Oh putain, on dirait Picsou. On dirait Balthazar Picsou. Ah, mon déguisement a fonctionné à merveille. Bah.
Le roi Baril se fera un plaisir d'enfin mettre ses planches sur toi. Plaisir d'enfin mettre ses planches sur toi. Ah, ses planches! Parce que c'est un baril, il est fait de bois. Au lieu de mettre ses mains sur toi, il met ses planches. Oh, la traduction, ils ont galéré. Ils ont galéré, mais ils ont fait du très bon boulot. Bravo. Ouais, bravo. Et le pouvoir du fameux brofiste légendaire. Je ferai échouer les plans du roi Baril. Je dois sauver mes fans. Tu verras bien. Apparemment, ça va jouer. Ça va être un moment de boss. Mon chapeau d'ours augmente mes capacités olfactives. Laisse-moi le trouver pour toi. D'accord, cherche. Donc apparemment c'est un boss, lui il va creuser pour le trouver, je dois sauter sur la tête, je présume que c'est trop facile. C'est aussi facile qu'un petit boss Bowser dans Mario. Ah mais merde, mais c'était pas... Mais il est con ou quoi? Sympa mec. D'accord, c'est lui. Donc, en fait je dois vérifier à chaque fois... Hey! Mais... Oh! Il a un pic au-dessus de sa tête et il essaie de me le mettre dans mes petites fesses. Ce n'est pas très gentil tout ça. Allez, cherche Kevin. Oh mais vas-y, envoie-moi le dessus la prochaine fois, je te dirai absolument rien. Non mais c'est bien qu'ils aient mis des monstres parce que je pense que ça aidera si jamais on a besoin de cœur ou quoi que ce soit, vous voyez. Ok, il repart sur son histoire de God Miché dans mes petites fesses, évidemment. Kevin Kenny? Je sais pas en vrai comment il s'appelle. Ken. Ok. Ok. Toi tu vas mourir déjà. Comment on fait pour les tuer? D'accord, faut leur sauter 3 fois sur la tête apparemment. Oh, je suis tombé de tellement haut, ça a dû te faire trop mal. Par contre là, j'en perds des cœurs. En fait, j'ai l'impression que les hommes de neige, on peut pas les tuer. Il faut juste attendre qu'ils s'en aillent et esquiver leurs petites boules. Ah, attendez, ma caméra vient tout juste de s'éteindre. Je l'ai vu au moment même où elle s'est éteinte. Genre, ça fait 1 seconde, 0 secondes. J'ai appuyé sur le bouton pour la rallumer. Ouais, ça c'est tout un métier. Devoir garder un œil sur sa caméra pour voir si elle s'éteint pas. Bah tu vas mourir mon petit là. Ah d'accord, maintenant c'est un baril normal. Roi Baril, on m'a vaincu. Ah il a dit vaincu. Vaincu comme 20 fesses. Maudit soit ce vidéaste, pour pas dire youtubeur. Il ne reste plus qu'une solution, engager celui dont le nom doit rester secret. Dark Vador. C'est bien lui dont on parle ici. Non, pas lui, sommes-nous si désespérés? Contrairement à toi, il n'échouera pas. Et je me demande bien de qui il parle. Je me demande bien de qui il parle. De Squeezie. Ah. Non, en vrai, un rival de PewDiePie. Non, franchement, je vois pas de qui il peut parler. Je serais étonné de savoir de qui il parle, là. Ah, je suis décédé. Bravo, Ken. Nous avons fait du bon boulot. On devrait passer par ici. J'ai vu des barils entrer et sortir de cette cave. Oui, à droite. Ils parlaient même qu'ils avaient capturé quelqu'un. Il n'y a pas de temps à perdre, ils ont capturé quelqu'un, peut-être un autre youtubeur célèbre. On se voit plus tard. Je vais m'assurer de courir ses arrières. Cool. Merci. Oh, il est sympa. Ah, c'est cool qu'il nous accompagne. Il a l'air sympa. Donc là, on arrive dans le général baril. Donc apparemment, on va s'affronter. Ah non. Ah non, mais qu'est-ce que je dis? C'est ce qu'on vient de faire. L'entrée de la mine. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là. Hein, 20 minutes de jeu. En plus, avec le montage vidéo, on arrivera à un quart d'heure ou 13 minutes de vidéo. Ce sera pas très long, c'est bien. Voilà, bon, voilà, ben... On revient à la situation de ma première vidéo, encore une fois. A vous de décider si on fait une suite ou si on s'arrête là, et si moi je continue... Je sais plus parler. Si moi je continue le jeu de mon côté, ou même pour un stream, mais j'en fais pas beaucoup des streams, donc c'est peu fréquent. Donc voilà, à vous de me dire si le jeu vous plaît, et si vous avez envie d'avoir un troisième épisode. C'est vous qui me répondez ça en commentaire de la vidéo, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée. Merci pour l'accueil du jeu, en tout cas sur ma chaîne YouTube. Je ne savais vraiment pas en quoi en penser la première fois que j'ai fait une vidéo dessus. Je me suis dit, peut-être qu'il y a des gens qui vont mal prendre le fait que je sais pas, que je fasse de la pub pour PewDiePie, sachant qu'il en a absolument pas besoin, ou que je parle d'un autre youtubeur aussi facilement. J'ai du mal à parler aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive. Voilà, comme ça c'est fait. Bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. Bisous, merci et ciao.